So on, Master. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la playroom de l'épisode 2 Far Cry Primal. Donc chers amis, on va aller le voir lui, apparemment il a une quête à me donner, il a un super totem. Ouh. Quel totem, bon, ah oui d'accord, tu t'es pas fait couper, tu t'es fait bouffer. Pisseux, il me fait chier ma playroom. Ça me plaît de t'aider. Pour tuer des Houdam, ça ne me dérange pas le moins du monde. Ouf, dis-moi juste où et j'y vais. Le totem perdu, mission ajoutée au menu carte. Où que c'est que c'est donc? D'accord. Là, d'accord. Difficile. Comment ça? Pourquoi ça court? Non, je crois que c'était quelque chose. Salut. Ok, on y va. On est à, ah, on est assez loin. Je vais sortir du camp et je vais appeler mon croc de sang. Ça va lui faire plaisir de me revoir. Eh bien, on va aussi devoir aller dans le sud et dans le nord chercher des choses, chers amis. On va en avoir besoin pour les huttes. Hop, allez, on y va. Allez, lui, cocotte. D'accord, je pensais qu'il pouvait sauter, genre agripper quelque chose. C'est un peu trop demandé, apparemment. Ah, dommage, ça, on ne peut pas faire. C'est pas un cheval de Skyrim, hein. Les portes à 90, il connaît pas. Il a voulu sauter. Il a ratterri dans l'eau, il a pas l'air d'avoir apprécié. Ok, 1200 mètres. Qu'on est en ligne droite, ça va être encore plus rapide. 1100 mètres, et encore on monte. Hein. Yo! Là nous sommes à moins de 1000 mètres. Ça va vite quand même, hein. Oh là là. La seule chose qui me dégoûte dans cet univers, chers amis, et je sais qu'elle est enlevée une fois qu'on est en mode survie, c'est la carte. Regardez la carte en pixel art, c'est terrible. C'est terrible. Mais enfin. Wow. Mais bah je pense que t'aurais pas sauté, hein. Voilà, tu vois. Tu vois quoi tu veux. Y'a où là? T'as pas envie? Saute quand même. Hop là, voilà. Crac. Ah là par contre il risque d'y avoir un peu plus haut. Là je te sauve la vie, ça me dérange pas. Le plaisir est pour moi, t'inquiète. Y'a des ninjas en bas. On a deux ours. Écoute. Apparemment, il y en a un qui a gagné et l'autre qui a. Tiens, dégage! Oh non! Attaque! Hop les! Ce combat. Dépecer l'ours brun. Et du coup on récupère un petit peu de viande. On redescend. Ok. Nous sommes à un peu moins de 600 mètres. Salut mon pote. On y retourne. Oula, que vous reveniez dans cette direction là n'est plutôt pas bon signe.
500 mètres. Hop. On chevauche. Tiens, bouffe la dole. Allez, cours. Voilà. Oh là. Bien joué. Oula. On marche encore sur un peu. Une dole. On a dû marcher sur une dole, à mon avis. Aïe. Non, te bouffe pas l'arbre. Voilà. Ah, je me suis bouffé un truc. Un caillou. Alors, en vrai, il se les bouffe pas. Soyons honnêtes, hein. Tiens. Par contre, les biquettes, comme ça, il les bouffe. 87... Ah non, d'accord. 150 mètres. Ça va arriver tellement vite. Oula. Non, ça va. Oula. Là, par contre, ça fait mal. Non? Ah non. Cool. Marquez les pilleurs de totem pour l'identifier. Ah, faut que je les marque. Oula. Ok. Ok, jusque là rien de bien méchant. Ah, lui apparemment il va être trop près, je pense qu'il est trop près. Ouais. Pourquoi il est jaune? Morceau de totem 3. C'est lui qu'on va aller attaquer. Hop les. Bonjour. Vas-y. Pourquoi il s'enfuit lui? Hop. Qu'est-ce qui m'attaque? Hop. Qu'est-ce qui m'attaque? Hop, je le vois pas. Je te vois. Vas-y. Il est dans une grotte? Bouffe-le. Il est monté là-haut. Putain. Ils sont d'une vitesse. Oh bonjour. Aïe. Tiens, bouffe celle-là. Question, on est sur le... Ah non. De toute façon, c'est y avoir deux camps ici. Bizarre cette histoire encore. Ok, allons-y. Allons choper le dernier. Non, il est mort. Cool, il est mort. Bon. C'était si simple. Né de totem. D'accord. Apparemment, il y a un campement par là. Hop. Le totem perdu. Quête terminée. Bah écoute, parfait. On a gagné un point de compétence. Ça peut être intéressant, on en a 4.
M'en faudrait 6 au total, d'accord. Bon à savoir, dégâts de chute réduits, ça peut être intéressant vu le nombre de fois qu'on a sauté dans cet épisode déjà. Alors qu'on en est qu'au début. bois rare, pierre rare, roseau, d'accord. Fouille automatiquement, d'accord. Trouver la quantité maximale de bois, d'accord, ça peut être intéressant aussi. Deux points de compétence, on va les mettre. Hop, ça c'est carrément intéressant. Non mais tuer des redoutables ennemis élites. D'accord, les jaunes c'est les élites. Et donc les bombes c'est ici. Largage d'armes. Ça, ça peut être intéressant aussi sur le long terme. Ok. Sente Daiwa sinueuse. D'accord. Pourquoi pas. Ça c'est fait. Il y a lui là-bas, il y a l'américain. Chasse au grand ours balafré, ça peut être sympa aussi. Mais bon, on a déjà fait une chasse au grand ours dans cette session. Je vais plutôt aller voir la Merloc. On va bien voir. On va bien voir. Alors, est-ce qu'on a... se lève à l'est et se couche à l'ouest. D'accord. Il faudra encore le voir. Apparemment, le soleil se couche. C'est pas bon signe. On va attendre l'aube. On va attendre l'aube. Tout simplement parce qu'on a suffisamment chassé la nuit dans le présent épisode. Ah, c'est au niveau du tertre. Ah, c'est cool. J'aimais beaucoup cet endroit. Oui, oui, c'est bon, l'autre il me réveille là. Attends. Ça, ça pourrait être pire, il pourrait me faire des bisous et tout. Touché. Tiens, vas-y, bouffe. Oh, il est sympa. Il est sympa. Il fait son vilain. Mais ça va en fait. Hop. On fait le plein partout à nouveau. Hop, parfait. Ok. L'américain il est là-bas. Il est à 300 et quelques mètres. De mémoire, on va pouvoir passer. Il va y avoir un point d'eau. Voilà, c'est ça. Hop. Crac. Voilà. Oui, je sais, c'était... Ah oui, les poulets. Les poulets. Prélevons des plumes. Plumes rares sur un poulet. Voilà. Ça met dans l'ambiance. Ah, c'est beau quand même. Regardez-moi ça. Wow. J'ai bien fait dépêcher là. Vas-y, bouffe-le. 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 Je récupère ma flèche. Merci. Hop. Tiens, mange. Ça va du bien. Hop là. Pierre du sud, ça tombe bien qu'on soit dans le sud. Oh la vache. Se repop. Se repop dans mon dos. C'est le magical repop. Merde, je suis con. Ici. Hop. Oui, je sais bien comment on utilise l'arc, mais c'est juste que j'ai mis slick. Ma souris est hyper sensible en fait. Mais c'est rien. C'est une bonne chose en soi. Ok, on a des ninjas devant. Ok. Qu'est-ce qui me repère? Hop. Là. C'est un Isila. C'était un Isila, chers amis. J'aime pas ça. Vous savez que je les aime pas, ceux-là. Hein. Merde, on l'a doublé. On est con.
Ok, de toute façon, on doit avoir moyen de grimper ici. Je vais venir t'en occuper, putain. Vas-y, bouffe-le. Bouffe-le. Parfait. Bien joué. Ils sont voraces, ces gars, putain. C'est bon, niveau PV, toi, ça va être tranquille. J'ai utilisé la griffe grappin. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'amélioration cette griffe grappin. Moi, ça me rappelle la bat griffe de Batman. Fallait l'améliorer 36 coups. Et puis s'agripper sur certaines choses et tout ça. Enfin bon. Vu que j'ai suffisamment de bois et qu'on en trouve un paquet par là. Hop. Et d'ailleurs, qui a se protégé des Oudam? Ah bah écoute, butez des Oudam. Tiens. Urki. Ah, il aime pas ça. Urki Oudam Pash. Urki Oudam Mamash. Oudam Urki Karsa. Oula, oui, t'as. Longta! Longta! Je l'avais pas vu, c'est rien. Ah, ça pique maintenant. Oh, l'américain. Je l'avais pas vu. D'accord. Tikauti udam guarui. Mal mashta. Nashashwe bal. Oh, man. Attends. Effectivement, j'ai du bide. La bière, ça fait ça. Tu veux une armure? Ouh là là, il est complètement timbré celui-là. Faut absolument qu'il arrive à qu'il rentre à la maison avec moi celui-là. Je veux qu'il me fasse des armures, tout ça, c'est un fou. Alors, fort comme la pierre, toi chercher quand ici là, qui voir bonne pierre là-bas. Ah bah oui, bien sûr. Ça parlait d'Oudam au début, hein, pas de. A bouffer la tortue. Hop. J'ai dit. Pas bouffer la tortue. Ah bah non, pas bouffer les tortues. Ah non, je suis con. Pourquoi j'envoie ça? Pourquoi j'envoie des steaks? Bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, je commence à capter pourquoi il y avait un Isila dans le coin. C'est vrai que s'il y a. Mais non, mais viens. Qui con. Ah, par contre, faut vraiment récupérer du bois, mais c'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Va falloir avoir un carquois plein de flèches. Par là, ça m'intéresse. Pierre du sud, parfait. On va se focaliser plus sur le. Oula. On y est. On va envoyer notre ami la chouette. C'est moi. Non, il n'y a que des élites sauf un. Hop. Ok. Ok.
Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Ok. J'aimerais bien envoyer mon tigre. Ou alors, attendez. Il risque de me repérer par contre. Je me trouve une planque derrière un arbre. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé. Il y avait autant de chances que tu me vois. Non, 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 là je suis désolé. Je sais pas qui m'a vu. Hop. Ah oui, c'est vrai. Je m'en rappelle. Non. Aïe, ça brûle. Tiens, mais ouf. Je te refais les yeux, moi. Tiens, voilà. Ouf. Mais reviens avec moi, toi. Aïe. Parfait, vas-y, range-moi, oh, excuse-moi. Excuse-moi, Simone. Tiens, bouffe. Oh, merde. Excuse-moi, je voulais pas faire ça. Bon. Hé, hey, l'ami. Tu l'avais venir, celle-là? Ils ont appelé des renforts. Hop. Hop. Trouver les pierres spéciales. Là, j'aimerais fouiller les corps un petit peu. Madame. Pouf, je l'ai ploté celle-là. Ouh. Les pierres. Les pierres, les pierres. C'est dommage parce que le coup de la flèche était plutôt bien fait. Hein. Je suis désolé, la flèche sur un bâtiment en paille, c'était plutôt intelligent. Je suis assez dégoûté à vrai dire. Quoi? Hop, tu n'as rien vu. Tu n'as... Ah non, c'est des rhinos. C'est des rhinos. Ok, ça y est, j'ai récupéré. Peau de bête, pourquoi pas. Lui. Ou elle, je sais plus. Ok, c'est bon. Mais les pierres, elles sont où, là? Je sais pas, enfin, ça me turlupine, et ce qui est marrant dans turlupine, c'est qu'il y a... Il y a turlu. Mais oui, mange si tu veux. Par contre, oui, les flammes commencent à... Non, garde là pour toi. Non, ce qui me fait chier, c'est que je trouve pas les pierres, là. Pierre d'Urki... Ah, attendez. Elles sont affichées en rouge. Oh là 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 là. Des petits cailloux comme ça à trouver. T'es sérieux là? Ok. Oui, je sais bien que je suis un ninja, merci d'avoir passé. Il a réussi à m'envoyer un caillou avant de se faire bouffer par Simone. Putain. Hashtag le barbare. Ok, bon, le caillou. Ok, on l'a. Wouh! Maintenant, faut retourner voir Urki. On va l'appeler Ameriki, hein. C'est mieux que Urki. Alors. J'aimerais en profiter. Excuse-moi, l'ami. Pars pas trop loin. Pour récupérer un maximum de cailloux du sud. Il y a moyen de grimper via...
que j'appelle un trou. Du coup, on est descendu bien bas. Un port monté. Cool. Ah, c'est exactement ce que je cherchais, mais dans l'autre côté en fait. Ok, on monte. Alors, pierre du sud, caillou du sud, voilà. Là-bas, là-bas. Je peux grimper comme ça, c'est facile. Hop les. Voilà. Easy. Easy peasy. Oh, puis il m'attend là-haut, c'est genre le machin, il savait que j'allais venir jusque là. Un arbre. Vous savez quoi? On va le monter. Hop, ça va nous faire du bien. Nous reposer, nous permettre. Petite patoune. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres tigres dans le coin. Apparemment, ce n'est pas le cas. Ce qui en soi est plutôt une bonne chose. Hop, vas-y. Non, non, c'est pas ce que je voulais. Ok, vas-y, grimpe. On sort plutôt bien. Il y a des singes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces cailloux-là? Oh, moi, je te peux le croire. D'accord. Oh putain, il va me demander de lui tirer dessus avec une sagaie. Je le sens gros comme un camion. Il va falloir que je lui envoie une sagaie dans le nez. Qu'est-ce que... Voilà, je m'en doutais. Oh merde! Il est encore en vie! Oui! Ah! Ah, c'était tellement beau! Oh, je suis tellement fan de moi des fois. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, la gueule. Ah, j'en chiale. Oh, c'était tellement beau. C'était tellement magique. Oh, mais non, mais ce moment était d'une beauté sans pareil. Très difficile, d'accord. Ici, on a très difficile aussi. Difficile, c'est des easy là en plus. Je sais pas. Pas marqué. Parce que si en plus c'est des easy là, on n'est pas rendu. On va se rentrer ici. Quoique, attendez. On va aller d'abord faire un tour dans le nord vite fait, voir si on peut pas choper quelques cailloux. J'ai besoin de quelques cailloux du nord. Sauf si on en a dans le. Allez, on va voir. On va voir. Hop. Allez, un caillou du nord, c'est pas ce qu'il nous fallait. Y a pas moyen de voir genre confection, village et voir à peu près. Voilà. Ah, il me manque poudre de cailloux du sud en quantité incroyable. Là, on est plutôt bon. D'accord. Poudre de cailloux du sud, il nous en manque. Des roseaux. Il va nous en falloir. Et donc là, vous voyez, il nous faut plein de trucs du nord. Argile, en l'occurrence, et cèdre. Ça devrait être assez rapide, remarque. Ça va être un caillou du nord. Ça va pas être de l'argile, ouais, voilà. Là, on a un cèdre du nord. L'argile, je compte le trouver un peu plus bas, peut-être. Au niveau d'un point d'eau, je dirais. Ça me semble logique. Ça me semble logique. Est-ce qu'il y a un point d'eau dans le coin? Parfait, c'est là qu'on va. C'est là qu'on va.
une dole, attention, et hop la dole. Oh bah. Voilà, merci de bien vouloir mourir quoi. Ok, la 5 et 8 du nord. C'est vraiment pas là que je voulais aller. Non. Oula. La terre est basse, comme on dit. Hop. Alors, j'espère pouvoir trouver un petit peu d'argile dans le coin. Là, ça pourrait être faisable. Oui, il y en a là-bas. Par contre, là, je pense pas tomber sur des. Par contre, il y a des mammouths aussi. Ça fait plus chier déjà. Un petit peu d'argile, 4. Faudra en trouver un peu plus. Un petit peu plus là. Je sais plus combien il m'en fallait. 100 euros, ça sera pas. Combien qu'il m'en fallait? Bah voilà, c'est faisable. Bah voilà. Eh ben on peut se rentrer, tiens. On va se rentrer, chers amis. Hop, carte. Et on va aller améliorer la maison du... Comment du tueur d'Oudam, là. Le monsieur coup de boule. Bonjour. Boum. Alors. Putain, il est à 2 km. Ah non, non, c'est pas... C'est moi qui suis dans, la colle. Hop, voilà. Hop. Et voilà, 3000 d'XP, ça fait toujours du mal par où ça passe. Ah bah elle est sympa la sienne. Elle est un peu plus réaliste, je dirais bizarrement. Un peu moins fantaisiste. Ça me plaît. 3000 d'XP, ça doit faire du bien par où ça passe, voilà, et on gagne donc combien de points de compétences? On a 4, il nous en aurait fallu 2 de plus. C'est véritablement dommage. Ça c'est intéressant par contre. Va vraiment falloir qu'on aille se les faire ces deux-là. Ça va devenir une nécessité. Niveau confection, lancer de couteau, ceinture de lancer de couteau, ça m'intéresse pas. Des pièges par contre ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, mais je vois pas vraiment l'utilité en fait, c'est ça le truc. Je vois pas vraiment l'utilité. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre ici? Des roseaux, il me semble, hein. Juste de simples roseaux. Non, c'était où? C'était là. Je crois qu'il y en a dans le coin, on va pouvoir aller les chercher vite fait. Hop, ce sera fait. Oula, ça marche pas trop. Voilà. Hop, des roseaux. Si on peut en trouver 3, ce serait parfait. 4, parfait. Eh ben on va remonter. Si le jeu veut bien que je remonte. Non? Non? Oh bah tant pis. Ah si, là il y a une liane. Ok. Et c'est bon, on est à la maison. Il m'a fait un gros bug là. Qu'est-ce qui lui arrive au manchot? Qu'est-ce qui lui arrive? C'était elle ou c'était l'autre? Non, c'était le mec. C'était le sage là, le chaman. C'était Rafiki. On va aller voir Rafiki. Rafiki, voilà. Ah moi il y a un petit pont que je prends jamais habituellement. Voilà. Yo! Voilà, on t'améliore. Oh! En plus de nuit, comme ça, c'est encore plus beau. Cool! Cool, cool, cool. Et ça me fait 3000 d'XP supplémentaires, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, ça, c'est encore mieux. Ça nous fait un total de 5 points. Non! 5 points seulement, il nous aurait fallu un de plus pour avoir une barre de santé supplémentaire. Dommage, 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 dommage. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là-dessus pour cet épisode en tout cas. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom dans votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. C'est génial d'avoir envie d'avoir le OK au moment où on veut parler. Ça m'arrive de plus en plus souvent, c'est la fête. Hop.
Voilà, on va passer par là parce qu'il y a des loulous. On va rentrer chez nous parce qu'on n'a pas revisité la grotte véritablement. Mais c'est vrai que c'est un peu mieux meublé. On reconnaît quand même les meubles de chez Ikea. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bienvenue dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. Yop.